Bonjour, je m'appelle Nour Ayadi, j'ai 24 ans, je suis pianiste et tout fraîchement diplômée d'un master en politique publique culturelle à Sciences Po Paris, et voici mon portrait. J'avais 13 ou 14 ans et j'écoute pour la première fois la rhapsodie sur un thème de Paganini en live dans un théâtre au Maroc. Et je me souviens très bien que j'avais cette sensation que ça avait duré 2 minutes et que j'aurais voulu que ça dure 2 heures. Et je me suis dit à ce moment-là, j'ai envie d'être sur scène, j'ai envie de jouer cette pièce et c'est comme ça qu'est née ma vocation réellement. Rameau, pour la simplicité de son discours narratif, et Schumann, parce qu'il a eu le courage de créer deux personnages fictifs, Eusébius et Florestan, et je pense qu'on peut tous se reconnaître dans ce caractère mélancolique et l'autre qui est vaillant. Et aujourd'hui on parlerait de bipolarité, mais à l'époque c'est simplement ce qu'est la complexité humaine, et je pense qu'on a tous des fêlures que certains artistes ont abordées plus que d'autres. Geza Honda pour sa prise de risque et sa palette infinie d'expression. Je citerai aussi Clara Askill pour un jeu à la fois étincelant et profond. Une autre référence pour moi, c'est Richter, parce qu'il y a pour moi une recherche absolue de vérité et c'est extrêmement touchant. Pour les interprètes actuels, bien sûr, Volodos, parce qu'il nous ouvre les portes vers un monde infini. Le deuxième concerto de Prokofiev, et encore une fois le deuxième de Prokofiev, parce que pour moi c'est une musique qui va au-delà de l'art sonore, c'est presque cinématographique pour moi. Je sais que si je vivais dans le passé, j'aurais énormément voulu rencontrer deux chefs d'orchestre, Carlos Kleiber et Bernstein. Alors, je vous dis tout de suite ce que j'écoute sur mon Spotify. Waltz for Debbie de Bill Evans, Take Six, ah ça c'est une référence, I'm on my way, j'adore. Le concerto numéro 2 de Brahms, évidemment, du Mozart, parce qu'il y a toujours du Mozart, avec le 15e quatuor en ré mineur, et pour en citer un dernier, du R&B pop de IMDb, Ease. En ce moment, j'aime beaucoup chanter ça. Night and day, you are the one. Only you beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are. I think of you. Night and day. J'aime beaucoup courir. Et j'aime beaucoup danser en fait. Dès que j'ai 2 semaines de libre, je prends un billet d'avion pour Cracovie en Pologne et je fais un stage de danse hip-hop. Et c'est une expérience extraordinaire. Évidemment, tout ce qui est lié au monde de la culture, j'adore lire, j'adore aller au théâtre et bien sûr aller au cinéma. Un de mes chocs récents culturels, c'est Anatomie d'une chute d'ailleurs. J'aime beaucoup les sciences et j'ai toujours aimé les mathématiques, notamment liées à la physique et la physique spatiale. Donc je pense que j'aurais adoré travailler dans ce domaine-là ou dans la recherche de la physique spatiale. Je pense que j'aimerais beaucoup découvrir le monde de la mer. J'ai récemment vu le plus grand aquarium d'Europe et ça me donne très très envie d'un jour découvrir les fonds marins ou bien de traverser l'Atlantique en voilier. Ce serait vraiment un bel objectif, un beau rêve à accomplir un jour.